C'est avec le 4x4 que t'as dit ça. Ohé, partisans, ouvriers, c'est paysan, c'est la la la. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Elle a un chargeur. Ah, attends. C'est la dame qui tourne les boules. Tu vois? C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. C'est les pommes de terre au barbecue. Ouais. C'est bon ça. Voilà, ouais. Puis c'est bien vert en plus, hein. Il y a la campagne un peu partout. Ce qui est embêtant ici, c'est qu'il y a souvent du vent. Souvent du vent. Il a sauté, j'ai rien touché. Il s'est coupé tout seul. Il s'est coupé. Il a pas aimé, je sais pas quoi. Voilà, indépendamment de notre volonté, c'est la machine. Christophe, il est là. Alain, bonjour. Bonjour Madeleine. Bonjour les abonnés, bon courage, on est là, hein. Maintenant, dès qu'il fera beau, on en sera là, ici, là. Bon courage. Là, je fais une vidéo, hein, c'est, tu te verras. C'est pas encore... Ouais. Je sais pas si je... Bonjour. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je regarde beaucoup vos vidéos. Elles sont trop bien. Ah oui? Ah, super. Trop bien. Moi, tout le temps, à chaque fois, je regarde ces vidéos. C'est humain. Moi, j'ai... Bouchard, ah oui, ben merci. C'est fait avec le cœur. Voilà. C'est fait avec le cœur. Vous y étiez le 1er mai? Oui, j'y étais, oui. Il était là. Bon, moi j'étais là, bah voilà. On voit les flics qui chargent, on voit. Voilà. Ils sont bien gazés, hein. Ouais. Et surtout la vidéo de 19h. Ouais. La vidéo là. Tu l'as vu à 19h la vidéo? Oui, c'était chaud. J'étais tout seul là-bas. T'étais tout seul. Il y avait plus que des. Comment tu te promenais? Non mais oui, parce qu'il y avait des cars et c'est tout. Ah, il y avait un appel à 19h, mais. Ouais, ils ont pas été. Non. Ah bah ils s'en sont pris plein la gueule toute l'après-midi. Ils s'en sont pris plein la gueule toute l'après-midi. Non, ils étaient fatigués, ils étaient défoncés. Non, c'était pas déclaré. Manif sauvage, mais... Non, il y avait des... Dès qu'il y a des jeunes qui arrivaient, ils leur tombaient dessus, en fait. Ah si. C'est pas ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on a le droit de parler de Poutine? On en a marre, c'est tout. On en a marre, ça fait longtemps. Voilà, c'est ça. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est ça. Et les gilets jaunes, longue vie. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que...
De toute façon, si, plus on s'énerve et plus ils sont contents. Ils voilà, aiment bien qu'on s'énerve. C'est ça. Ouais, voilà. Donc il faut essayer de rester positif. Moi, c'est pour ça que je reste. Voilà. On leur envoyait de l'amour. Et l'humain, il faut donner de l'humain, voilà. Parce qu'ils ne sont pas humains, il y en a. Ouais. C'est comme on se bat contre des pervers narcissiques, ouais. Des malades. Et plus on sera divisé, plus ils seront. Voilà. Contents. Le malade, quand un pervers narcissique, il est par exemple avec une femme, et plus elle souffre, plus il est content. Hein. Ouais. C'est grave. Hein. Par contre, maintenant, aujourd'hui, il faut faire l'inverse. Parce que j'ai vécu avec un pervers narcissique. C'était l'horreur. Ah, voilà, c'est ça. Ah, oui, non. De toute façon, je voudrais éviter que ça soit dit. Parce que si jamais il est en train de regarder la vidéo, il va prendre pas la gueule. Aïe, aïe, aïe. Non, mais. C'est vrai. C'est ça. C'est très dur pour une femme. C'est ça. 7 ans de rabaissement, de. C'est ça. De culpabilisation. Il te culpabilise, non ? Hein ? 15 gosses parce qu'ils voulaient toucher les allocations familiales et pas poser. Et avant, c'est un français de souche breton. Ah ouais. Merci. Ah oui. J'ai dit deux. J'ai claqué la porte et au revoir. Ah, il faut de la force hein, pour faire ça. Oui, parce que quand je vois toutes celles qui finissent au cimetière. C'est ça. Bah, c'est ça. Il y en a un tous les deux. Il y a une femme tous les deux jours qui dépasse les féminicides là. Et aujourd'hui, je dis au mec, un me fait chier. Même pas la peine, hein. Vaut mieux que tu remettes bien ton caleçon, la ceinture bien serrée, parce que sinon il n'y en a plus. Il y en a pas mal qui disent rien, qui sont là. Et des fois c'est vice versa. T'as la femme qui est maltraitée et les femmes qui maltraitent les bonhommes. Oui, c'est ça, il paraît qu'il y a aussi quelques femmes, mais moi à mon avis, il y a quand même plus d'hommes. Parce que quand tu vois, je parle pas en France parce qu'en France on est bien. Mais dans d'autres pays, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que c'est boucan. Quand tu regardes, bon, ils l'ont dit en France, il faut mettre plus de femmes, tu sais, dans les conseils des ministres, là. La parité, ils disent. Mais souvent, tu vois quand même que c'est tout le temps des hommes qui sont autour d'eux. Hein. Quand je vois aujourd'hui, quand même, de tout ce qui se passe, le mariage, c'est beau, mais le mariage, il dure combien de temps? Moi, j'ai jamais été mariée, j'ai jamais voulu me marier. Parce que pour moi, le mariage, tu signes un contrat terminé, c'est un papier signé. Tout le reste... Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Moi, je ne sais pas. Il paraît qu'il faut. C'est la vie de chacun, en fait. Hein. Vrai, on fait son choix. C'est le choix. Non, mais il faut faire un travail sur soi, il paraît. Non, tu sais ce que j'ai fait, moi? Moi, je n'ai pas peur de le dire. Avant de rencontrer ma femme, j'en avais marre. J'étais amoureux comme une fois, après, ça s'est fini. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait une psychothérapie, moi. Pendant 2 ans. Après, j'ai rencontré ma femme et je lui ai dit, moi, mon avis, il faut que tu le fasses. Elle l'a fait. Sa mère, elle m'a maudit. Hein, parce qu'elle a coupé le cordon ombilical. Tu sais, des fois, souvent, il y en a, ils sont encore... Et il y a des hommes aussi qui sont accrochés à leur mère encore. Hein. Ils ont 40 ans, ils sont encore avec. Alors qu'il faut s'envoler du nid, quoi. Et j'ai lu des livres, hein, des livres et des livres. Mais il faut pas que faire les livres, il faut aussi faire. Pratique, hein. Voilà, c'est ça. Et quand tu tombes sur un pervers narcissique, alcoolique en plus dessus. Bonjour les coups. Ah, il te battait en plus. Au bout de 7 ans. Oh. Et t'as eu des enfants avec lui? J'aurais connu comme il est connu les lois aujourd'hui, là il serait peut-être en prison. Avant, je sais que quand il y avait des problèmes avec lui, la police donc elle intervenait assez souvent. Mais c'était quoi? C'était dans les années 80. Mais même maintenant, il y a des fois, il y a des femmes qui vont porter plainte pour un viol ou un truc, et elle leur dit. Il la laisse, il la. Ils disent non, non, c'est. Il y a quoi, prison, c'est pas la prison. Voilà, c'est ça, ouais, hein. Il y a de plus en plus, j'ai vu ça qu'il y a de plus en plus. Elles sont pas écoutées. Il y a des femmes. Moi, on m'a dit oui, si tu racontes pas de messe, il y a des femmes. J'ai dit non. Ils disent qu'ils se sont fait violer et c'est pas vrai. C'est ça. C'est dans votre tête qu'ils disent. Voilà. Et des fois, on retire les enfants de la femme. Oui. Et on les redonne aux. On donne aux maris, or que c'est pas bon. Yeah, mais ça dépend des juges, il y a des tordus, il y en a qui. Moi, je suis partie avec ma fille. Voilà, comme disait Coluche, il y en a qui marchent de travers et il y en a qui marchent droit. Voilà. Faut bien tomber. Moi, un jour, j'ai pris un avocat. Il m'a pris 3000 euros le jour du jugement, il était parti en vacances. Il est parti en vacances. Ouais. Il m'a dit, c'est pas grave, on fera appel. Tu m'en donneras 2000. Les avocats aussi, il y a des drôles de crabes. Tu vis comme ça, c'est 7 ans, c'est pas la carrière qui te martyrise, qui te bat, qui te rabaisse avec sa mère. Et puis là, en fait, aujourd'hui, tu le retrouves. Si on réagit pas tout de suite, après, c'est plus dur. C'est ça, voilà, c'est ça. Il faut réagir. Au premier coup, voilà, c'est ça. Ah,
C'est ça. C'est ça. Tu repenses aujourd'hui avec tout ça. Mais je le retrouve, le mec. Je crois que il va sur 80 ans maintenant. Parce que moi, on avait 10 ans d'écart. Moi, je suis heureuse. Je suis avec les gilets jaunes. Et t'as des petits-enfants maintenant? Pas encore. Alain, ah bon. Le proverbe dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et voilà. Moi je le suis. Je suis ce proverbe. Impeccable, tout va bien. C'est j'ai ça. Pas de problème, ni avec un homme qui me dit, pourquoi tu rentres avec cette fille qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Pourquoi tu n'es pas à la maison? Moi c'est terminé, je ne veux plus entendre ça. Mais c'est ça, c'était ça, c'est ce exact. Que je vivais. Oui. Moi, jamais j'ai connu ce genre de choses. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour derrière. Il n'y a rien. Non. Il faut que la femme, on la laisse vivre. Il faut qu'on la laisse vivre à t'es sa manière, à sa mari, façon. Vous aimez, mais il faut vivre. Que le mari, il fasse confiance à sa femme. Et tu sais ce qu'il n'y a pas. Et tu sais ce qu'il y a. Des fois, dans les couples, il y a un ou l'autre, il veut changer l'autre. On ne peut pas changer. Tu comprends? Il y en a, ils veulent changer l'autre. On ne peut pas, c'est trop difficile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Non. Voilà, il n'y a pas de discussion. Il faut que les deux, ça s'accorde. Les deux, il faut qu'il y ait une qui dit un, l'autre dit oui. C'est comme ça. Et s'il n'y a pas ça, dans le couple, c'est fini. Terminé. Ouais. Voilà. Et même pour le financement, l'argent, le compte de monsieur, le compte de madame. Hein? Ah, moi j'ai eu des soucis, moi. Monsieur qui prend 300 euros, 200 sur le compte de monsieur et madame. Ah. Moi j'ai eu de la chance, j'ai attendu longtemps et je l'ai rencontré à 36 ans, ma femme. Voilà, mais bon. Moi j'avais 17 ans, moi. Quand je l'ai rencontré, il en avait 28. Ah ouais, quand t'es jeune, c'est pas c'est facile. C'est pas bon. Ouais. J'ai pas fait ma jeunesse. Bon, allez. Ça va, Fred? Ouais. Salut, camarade. Bah, je suis très content d'être sur ce rond-point qui est l'un des plus vivaces de France, le plus vivace d'Île-de-France, certainement. Avec en plus la présence de Christophe Détinger, quelques jours après le 1er mai. Voilà, pour moi, c'est vraiment du bonheur. Hein. C'est pas évident de venir, mais une fois qu'on est là, on est content d'être là. T'es venu en train, non? Non, moi je suis venu en voiture. Voilà, ouais, c'est ça, moi c'est pareil. Voilà, j'étais pas. On a eu de la chance hier, il y a une voiture qui est tombée sur le RERC, sur la voie. Ouais. Mais bon, je crois que c'est ouvert aujourd'hui. Il y a des gilets belges qui arrivent aussi. Ouais, cet après-midi, ils vont venir. Voilà, il y a notre héros, notre boxeur Christophe Détinger. Oui, je l'ai interviewé tout moi, à l'heure. Moi j'ai pris un bon coup là, le 1er mai. Un CRS dans une charge. Écoute, une charge qui n'avait pas lieu là. Il n'y avait aucune. En aucun cas, j'ai vu les policiers agresser. Donc c'était vraiment très violent. Les mecs tapaient. Ouais, je les ai vus, moi, qui tapaient comme ça. À bras raccourcis. Ils collaient les jeunes contre les murs là. Et là, le mec de toutes ses forces, hein, tu peux demander à Momo, il m'a vu entrepris là par le CRS qui m'a asséné un très lourd coup de matraque là, de toutes ses forces sur l'épaule, là, ici, là, hein, sur l'omoplate plus précisément. Donc j'ai un peu mal. Hein. Uh-huh. Mais bon, ça va quoi. Il aurait pu te casser la clavicule ou quelque chose. Hein. Oui, s'il prend la clavicule, là, je serais mal. Hein, mais c'est là, ça. Il a pris l'omoplate. Donc plus à plat, j'ai pu me baisser. Et pour dormir, tu sens là, ça te fait mal, non? Ça va? Ça va. Je m'attendais à pire, ça va. Moi, je suis tombé sur la trottinette, justement. Ah, je me suis tombé. Ah, je suis tombé dans un trou, passé par-dessus et l'épaule. Ça s'est bien passé. Il y a eu quelques points chauds, mais bon, ça a été en. J'ai vu quelques gilets qui ont morflé. Hein. Mais t'as vu, j'étais aussi à la. Il devait y avoir une manif après à la fin, à 19h. T'étais au courant? À 19h. Oui. Mais là, ils avaient tout. J'y étais, moi. T'y étais. Ouais, j'ai filmé. Ils ont quadrillé. Ils ont quadrillé, ils ont ratissé. Et dès que des jeunes arrivaient, tac, ils étaient leur combattu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était un peu piégeux. C'était piégeux, voilà. Je sentais le piège. Piégeux, comme d'habitude. Ouais. C'est ça. Vers Opéra, là. Non, c'était à. Oui, vers la rue de Rivoli. Là, pas voilà, rue de Rivoli, voilà, c'est ça. Voilà, comment. Je me rappelle. Tiens, il y a Steph qui est arrivé. Salut Steph, ça le va banderoliste. Le grand Schtroumpf est là. Le grand Schtroumpf est là, voilà. Ouais. Mais je suis pas en bleu, c'est le grand Schtroumpf jaune. J'ai vu la Schtroumpfette et je l'ai vu. J'étais content, je dis bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Vous êtes sorti d'hibernation ou quoi? Les Schtroumpfs, on est en hibernation. On est là. Ça va bien? Ouais, toujours. Ah, il y a même Fred est là. Ouais, je suis là. Ouais, j'ai fait l'effort.
Parce que je te vois pas pendant 6 mois et après je te vois. Non, 6 mois, t'exagères, je fais des manifs quand même. Hein. Je sais, non, mais moi, j'ai oui, voilà, après, j'ai école, j'ai. Après, il y a plusieurs points, tu sais comment ça se passe. Là, je suis toujours. C'est sympa ce qu'on fait. Voilà, j'ai pas fait de live, mais je vais peut-être faire un live. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, t'as vu, donc Macron, il persiste ici dans ses provocations sur la guerre, hein, l'engagement des troupes au sol. Ah, toujours pareil. Hein. Je vais faire un live et après je vais interviewer chaque personne qui veut. Voilà, bon, allez, on va couper. Ah bon? Moi, je vais faire un live après, non? Là, pour l'instant, c'est les vidéos, là. Je lis du cœur. Non, attends, ça va. Ça va, tu verras, tu regarderas. Surtout le premier, tu vas voir, j'ai mis une musique au début pour Christophe, là, tu vas voir. Voilà, non, j'ai fait deux petites vidéos de 15 minutes, là. T'as mis quoi, Rocky? Non, tu verras. Une vidéo de Damien 16. Ok, ah ouais. 16, voilà. J'irai voir sur YouTube. Voilà. Donc, il va y avoir une, deux, là, c'est la deuxième. Je fais des petits trucs de 15 minutes. C'est mieux, parce que moi, les trucs de... Ouais, mais un live, ça dure des fois 3 heures, 4 heures. Là, c'est ça. Je coupe par petits bouts. Ouais. Mais je peux pas, sincèrement, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça, voilà, c'est long. Hein. Je vais pas beaucoup sur les réseaux, c'est tellement... Mon fiston, tu vois, un courageux, regarde. Dans le regard, il éprouve plus de choses que les êtres humains, des fois, regarde. C'est ça. Tu vois, je te jure que c'est vrai. C'est ça. Dans les transports en commun, je regarde beaucoup, moi, dans les yeux, les gens. Savoir ce qu'il y a au fond d'eux. Ils ont pas la tendresse qu'il a, tu vois, cette... voilà. Il a plus de vie, mon bébé. Et c'est une petite fille qui me l'a offert, parce que j'adore les singes. Je me sentirais pas insultée si on me traite de singe, moi. Je me sens plus proche d'eux que beaucoup d'humains. Et c'est la petite Alia qui me l'a offert. Ah ouais. Dès qu'elle l'a vu, elle a dit c'est pour Malika, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà. Oh mais moi je suis fatigué, hein. C'est pour ça que tu vois, je suis fatigué. Je te taquine, moi je suis morte. Moi le 1er mai, le machin. J'ai un mal de tête. La semaine dernière j'ai fait les taxis, les trucs, les machins. Après ils m'ont appelé encore pour. Ce soir je devais avoir un truc jusqu'à minuit, 1h du matin. Oh, j'ai dit moi je suis mort. Et j'ai fait une vidéo. Je vais essayer d'aller à Bobigny moi. À Bobigny ça continue hein, ce soir. Ah il y a quelque chose aussi à Bobigny. Il y a un truc à Bobigny. Hein. Demain il y a Vitry aussi. Vitry ou Palais des Sports. Là encore pour spécial Christophe Détinger. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah tu lui demanderas tout à l'heure qu'il en parle si tu veux. Bah, que... Attends, je vais lui dire. Mais pourquoi tu mets pas un petit peu de temps? Oui, t'as eu raison. Christophe, y a pas un truc à Bobigny ce soir? Si. Attends, faut... Attends. Je ne dis pas de bêtises, si je capte. Ah, faut que j'aille prendre l'affiche. Bon appétit. Merci. Et en plus, je bords l'os. Bon, attends, mais je suis là, je vais voir l'affiche, ouais. Voilà, tous, faire tous ensemble. On n'est pas des vaches à lait. Faire dérailler le système. En plus, ils ont bien tondu le gazon, là, t'as vu? Ouais, avec la caméra juste au-dessus. Ah oui, il y a une caméra là-haut. Ouais.
pense que le plan il est fixé sur, sur le jaune. Eh, hein. Ouais. Hey, faut klaxonner là. Bon allez, à de plus.